avec une vidéo à prendre bien évidemment avec humour, puisque je reviens pour vous faire le top 10 des youtubeurs les plus sexy de la YouTube sphère. Bon, enfin, j'ai juste fait un sondage avec les noms que vous m'avez donnés et c'est vous qui avez fait ce classement et non moi, puisque vous avez été plus de 1000 à voter. C'est juste énorme et super drôle, comme quoi les sondages à la con, ça vous intéresse fortement. Et là, j'entends déjà des gens dire c'est sexiste, blablabli, blablabla, gna 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 gna. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai un aussi avec des youtubeuses féminines, comme ça, ben voilà, tout le monde est ok, tout le monde est d'accord. Mais je précise que c'est à prendre au second degré et à ne pas faire des embrouilles en commentaire, etc. Juste for fun. Bref, c'est parti pour le top 10. Pour la 10ème position, on vous retrouve avec un youtubeur qui fait des vidéos drôles. Il vous a conquis avec ses blagues, avec son humour, avec ses fossettes et avec... avec son rire jaune. Ouais non, ok, je sors, celle-là était nulle. Bon, promis, je vous en fais plus des aussi nuls, mais vous avez compris, c'est Kevin de la chaîne du rire jaune que vous avez mis en 10ème position. En 9ème position, vous avez sélectionné un nouveau youtubeur qui n'est pas là depuis très longtemps, mais sa chaîne, elle monte en flèche. Non mais on le sait tout, Hugo, que tu te sers de ton charme pour gagner des abonnés, ça va, tu vas pas nous faire hein. Et c'est Hugo de la chaîne Les Questions Cons. Alors moi j'ai une question con pour toi, mais quel est ton atout charme qui fait craquer toutes les filles qui te suivent? En 8ème position, on retrouve un des plus anciens de YouTube, même je crois le plus ancien de YouTube. Il vous a conquis avec son humour et avec son fameux pourquoi. Et c'est bien évidemment Cyprien qui arrive en cette 8ème position. En numéro 7, on retrouve un poisson fécond avec ses vidéos what the fuck et son charme mystérieux. En 6ème position, on retrouve Mathieu Sommet. Bon, on va pas se mentir, il est beau gosse, il fait des vidéos top, en gros, ouais, il a tout pour lui quoi. Passons maintenant au top 5, attention, ça se resserre. En 5ème place, on retrouve un garçon totalement dans l'autodérision et le second degré. Et oui, c'est Seb la frite qui vous fait vibrer. La frite qui vous fait vibrer, vibrer la frite. Ok, j'ai compris. En 4ème position, il est jeune, il est frais, il est peps. Et comme quoi l'âge ne fait pas tout, vu que c'est un panda moqueur qui arrive en 4ème de ce classement. On arrive au top 3 des youtubeurs les plus sexy de YouTube. Alors là, c'était vraiment très très serré entre ces 3 personnes. C'était vraiment énorme et ça s'est joué à peu. Donc, en 3ème position, il est asiatique. Il a réussi à conquérir vos cœurs. Il fait une vidéo tous les 3 mois. Et c'est bien évidemment Asiatomique qu'on retrouve en 3ème place du classement. Bon, les filles, on va pas se mentir, hein. On craque toutes pour Asiatomique. La preuve, dans le sondage où on pouvait voter pour toutes les personnes qu'on voulait, il était premier du classement. Je devrais peut-être pas dire ça parce que je suis amenée à le croiser à d'autres événements quand même. Hein. Malaise. En 2ème position, il est fort. Il est viril, il a beaucoup de barbe. Enfin, il se met surtout en position fœtale quand il a peur. C'est Squeezie. Bon, avouez-moi tout ça. Vous avez voté pour Squeezie ou pour Jumbo? Parce que si vous voulez voir Jumbo, il fallait le mettre en classement. Et le grand gagnant de ce top 10... Il est grand, il a des cheveux, il est youtubeur. J'ai vraiment l'impression de présenter Secret Story 9 là. Mais malheureusement, il sort avec la plus grande youtubeuse française de beauté, c'est Wartek. Et voilà, le top 10 est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais je répète encore une fois, ce n'est pas mon classement, mais le vôtre. Si vous voulez participer au prochain sondage, au prochain classement, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram aussi, tant à faire, le petit pour un peu partout. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je reviens faire le classement des filles avec un invité spécial, je vous en dis pas plus. Voilà, j'espère que ça vous aura détendu. Gardez le sourire, restez fort, je vous aime et bonne journée à tous. Enfin, bonne fin d'après-midi. Bye! Qui a réussi. En 5ème place, c'est un garçon. En cinquième place, c'est un garçon dans l'auto. Jeune youtubeur qui est le plus cool. J'aurais peut-être. Je devrais pas. Et si je le vois, ça va. J'ai peut-être pas dû dire ça parce que moi.